Alors bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, une manifestation particulière à Saint-Rémy de Provence, une belle balade pour ce 8 mai. Bon, le temps ne nous est pas trop favorable, mais bon, je pense que ça devrait aller pour le reste de la journée. Et aujourd'hui, donc, cette belle balade qui est organisée par un club Vedaine Autopassion sur Vedaine. Voilà, alors vous allez découvrir avec nous cette belle balade de cette merveilleuse journée. J'espère qu'il ne pleuvra pas. À toutes et à tous encore un grand merci d'être sur notre chaîne et puis on y va. Allez.
me now. Sometimes I feel a little mad. Don't you know, no one like can always be an angel when things are always seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Bonjour Sonia, alors tu vas nous parler de ton association et puis tu vas nous parler de cette merveilleuse journée où tu nous as invités aujourd'hui. Merci. Mais enfin, on a commencé tout doucement avec le Florelli de Saint-Rémy-de-Provence et avec une petite collection de voitures pour améliorer l'événement de le Florelli. Et vite vu que j'avais pas mal de support, le Florelli ici, on a décidé d'arrêter et on a décidé de lancer la journée ici. Maintenant, ça fait la troisième, quatrième année, mais chaque année, on fait appel de tous les clubs ici dans le sud et on a grandi. J'ai fait beaucoup en Avignon cette année avec l'exposition, beaucoup de mailing, beaucoup de contacts et voilà, on a beaucoup de contacts et amis dans le milieu de les voitures maintenant. C'est mon passion. Je suis un peu le garçon manqué de la famille. On n'a pas eu une garçon, mais on a eu une fille qui est amoureuse des voitures. Et c'est un peu dans la racine de ma famille. Mon papa, il était amoureux des voitures. On avait des Aston Martin, un Aston Martin Lagonda de 1939. Et le week-end, j'ai passé mon temps en train de nettoyer les roues rayées avec un brosse à dents. Et voilà, vite j'ai attrapé l'amour pour ces belles voitures. Et j'ai repatrié après la mort de mes parents un XJS de 86, première main de mon père, et un Nissan 300 ZX de ma mère, qui avait un sous-nom, mon petit Ferrari. Et voilà, le club, j'ai beaucoup d'amour pour le club, pour mes adhérents, parce que je trouve qu'ils sont vraiment des gens qui investissent beaucoup de temps avec moi, beaucoup d'amour, parce qu'on est comme une grande famille. Ce n'est pas juste les amoureux de voitures, c'est mes amis. Et on cultive, tu vois, le voir aujourd'hui, les gens, ils apprécient l'amour et le travail pour ces jours-là. Ça me plaît beaucoup. C'était un peu mon métier, la restauration. Pour ça, il y a une partie de la voiture et la partie de la restauration qui rentre dedans. Mon mari aussi, beaucoup de travail derrière pour tout ce qui est l'ordinateur, l'organisation. Et voilà, en bref, voilà. C'est ça. Et cette journée, c'est bien passé aujourd'hui? Oui, non, mais je suis bien contente. J'étais un peu inquiet pour le temps, inquiet que les gens ils m'appelaient. J'ai dit non, je tiens mon journée et on y va, mais un peu triste pour les artisans. Pas assez de suivi pour eux. Mais je ne vais pas lâcher, je vais faire plus pour eux. Les projets? Ah, les projets, on a, chaque année, on a 9 bonnes sorties entre mars jusqu'à octobre, novembre. Et en décembre, à l'Assemblée Générale. Après, on fait une petite pause pour 2 mois. Donc, je pense qu'on se reverra. Voilà. Oh oui, avec grand plaisir. Merci Nadia. Merci beaucoup.